soir jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour nous parler de vous, de votre vie en toute liberté et sans tabou. Quentin et Assiba attendent vos appels au 39-21 et pour toutes vos réactions, vous avez les SMS au 7-21-21 en commençant votre message par le mot nuit. Vous avez également les courriels sur le site europe1.fr. Alors beaucoup de courriels là, que j'ai entre les mains. Un petit clin d'œil amical à Alaska qui me dit « J'ai écouté pour la première fois votre émission hier soir et j'ai été emportée dans un tourbillon. Les témoignages, votre écoute, les échanges entre auditeurs et surtout le sentiment d'avoir trouvé une grande famille. » L'anniversaire de Fifi a été magnifiquement célébré par beaucoup de personnes. Je ne pense pas que mon message sera lu à l'antenne, mais sachez que je viens d'entrer par la porte chez vous et que je suis fière de connaître votre grande famille. Merci à tous les auditeurs de m'accueillir parmi vous. Bienvenue à Alaska. Je ne sais pas si vous êtes un garçon ou une fille, mais peu importe, on vous accueille bien volontiers. À propos d'anniversaire, le mail d'Huguette qui est arrivé, je l'ai pas eu. Il y a eu tellement de messages pour Fifi hier. Huguette et Plume de Reims, c'est sa petite compagne, son petit chat, qui dit « Je viens d'entendre que c'était l'anniversaire de Fifi, l'Ardennais, le Wanik local. » Alors, j'ai demandé « C'est quoi, c'est un Wanik local ?» Et Fifi me dit « C'est le plus gros sanglier du monde, 50 tonnes, un sanglier en ferraille. Le Wanik local, les cheveux longs. Bon anniversaire et bonne année jusqu'au prochain, » dit Huguette. Encore un message d'anniversaire de Capucine qui dit « Scorpion, que je suis aussi. Je vous dis à tous très bon anniversaire. » Capucine qui est du 8 novembre. « Hélas, dit-elle, j'ai perdu le numéro de Sergio à qui j'ai eu l'honneur de parler et j'ignorais que lui aussi était Scorpion. J'espère que vous lirez ce petit message car je vous écoute toutes les nuits et vous êtes mon seul bonsoir du soir. » Sergio est à l'écoute. Sergio qui est très heureux ce soir que la France ait gagné. Voilà, il me dit « It's good de battre les Anglais ». On a également une Cynthia, elle, qui nous écoute via Internet en Pologne. On a comme ça des messages qui nous parviennent de l'étranger. On a Mélisse qui nous écoute des Pyrénées. Elle dit « Je vais vous révéler mon petit secret. Chaque fois que je vous écoute, j'attends avec impatience les interventions du subversif. Je les trouve toutes formidables, cette capacité à faire danser les mots pour apaiser les mots. Passionnée de mots, je lui propose donc une joute verbale dans le plus grand respect, afin de donner aux auditeurs un rayon de soleil, un brin de poésie, un peu de chaleur humaine. » On vous attend, ma chère Mélisse. On a également Eric qui dit un grand merci pour cette formidable émission qui a accompagné la plupart de mes nuits passées avec bonheur chez ma grand-tante Alice à Saint-Raphaël. Elle est partie cette année à l'âge de 98 ans. Votre rendez-vous nocturne est lié à tous ces merveilleux moments. En vous écoutant régulièrement, je la sens davantage présente. Alors merci pour tous ces moments. Et il y avait d'ailleurs, à propos du subversif, il y avait un message où vous interrogiez, c'était Guy qui disait « Mais quelle est la profession du subversif ?» Alors, ça vous a fait cogiter sec hier soir. Il y avait Cathy qui disait « Moi, j'ai l'impression que le subversif est un moine lacanien. » Lacanien, il en maîtrise très bien les codes. Hein. Moine, n'a pas l'air d'être moine, hein, cet homme-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer le soir, comme ça, dans sa petite cellule, nous rédigeant des textes sur son portable. Mais les moines ne se couchent-ils pas tôt, normalement? Ils se lèvent également très tôt, donc je ne sais pas. Moi, je ne l'imagine pas moine, cet homme-là. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Allez. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et on va écouter un petit peu de musique. Allez, pas de secret entre nous, on se dit tout la nuit sur Europe 1. Vous pouvez m'appeler au 39-21. Bien eu votre message, hein, Sergio, on va transmettre à Capucine, ne vous inquiétez pas. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Caroline, merci bonsoir. D'avoir pris mon message. Mais je vous en prie. Alors, vous avez une belle fille que vous adorez. Oui. Elle a une sœur. Oui. Elle a une sœur qui a rencontré un jeune homme. Mmh. Français, maghrébin. Oui. Et donc, ses grands-parents qui les ont élevés toutes les deux, qui sont quand même âgés de 80 et 82 ans, mmh. ont refusé de le voir. Donc, et ça fait un an qu'ils n'ont plus vu leur petite fille non plus, parce qu'elle veut faire sa vie avec lui. Il est très bien, moi je le connais, on le connaît dans la famille, et les grands-parents et le père refusent de le voir. Donc tous les contacts sont rompus, et tout le monde est très malheureux. Est malheureux de cette situation, du fait qu'il y ait une rupture de la relation. Voilà. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est avec cet homme ? Oui, oui, oui. Moi, j'appelle ça du racisme primaire. Mais ils ont très gentils, les grands-parents. Ils ont élevé. Ils ont... Oui. Je ne comprends pas. Oui, c'est parce que le fait que cet homme soit français d'origine maghrébine. C'est ça, oui, oui. Mais il le formule comme tel. Comment a eu lieu la rupture comment s'est-elle faite cette rupture? La rupture, ils ont fait un déménagement. Le père l'a rencontré et finalement le père et les grands-parents ont dit à la sœur de ma belle-fille, ont dit. Tu nous as pris par surprise. Jamais il mettra les pieds chez nous. Ils ont rencontré cet homme. Une fois, mais ils ne se sont pas parlé. C'est pour un déménagement. Elle venait chercher des affaires chez eux. Ils ont été pris au dépourvu. Ils ont été pris par surprise. Oui, ils ont été pris par surprise, oui. Ça les a vexés, au fond, de la prendre de cette façon-là. Ça les a vexés, mais ils n'acceptent pas qu'ils soient maghrébins. Ils le disent. Mmh. Ils le disent. Ils disent pas maghrébin, ils disent arabe. Mmh. Eh oui, il y a des préjugés encore comme ça. Ah ben oui, ça alors, je ne savais même pas que ça existait. Ah bon ? Ben oui. Ah. Moi, je vis dans un endroit où il y a la mixité, donc... Oui, mais Mireille, vous savez qu'il y a encore beaucoup de préjugés qui persistent et qui demeurent, malheureusement. Hein. Moi, parce que ce garçon, il est très bien. Toute la famille le connaît. Moi, je le connais. Ils s'aiment, ils vont faire un bébé. Et ma foi, il y a des grands-parents qui l'ont... Comment le vit-elle, cette jeune femme, elle ? Pardon ? Comment le vit, cette jeune femme ? Mais moi, alors, je la vois, oui, de temps en temps, je lui en parle. J'ai l'impression qu'elle le vit moins mal que les grands-parents. Que les grands-parents qui sont en rupture avec elle. Oui, oui, complètement. Bon, bah écoutez, tant mieux si elle ne le vit moins mal. Au fond, c'est elle qui construit sa vie. Vous me dites, elle a des projets avec cet homme. Ils vivent ensemble. Ils ont le projet d'avoir un enfant. Elle avance. Après tout, c'est les grands-parents qui, enfermés dans leurs préjugés, se privent de voir leur petite fille. Oui, mais ils sont âgés. Ben oui. Ils ont tout fait pour elle aussi. Alors donc, mais oui, c'est d'autant plus dommage qu'ils s'enferment comme ça. C'est d'autant plus dommage. Vous avez des contacts avec eux, avec les grands-parents? Oui, avec tout le monde. Mm-hmm. Et je suis au milieu comme ça. Et justement, je parlais à ma belle-fille aujourd'hui, je lui disais, tu sais, j'ai envie d'appeler Caroline Dublanche. Et elle m'a dit oui, ok. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Parce que les grands-parents n'ont même plus envie de faire le repas de Noël qu'ils faisaient d'habitude, le soir, où on était tous réunis. Justement, dans la mesure où vous avez un lien avec les grands-parents, et que, au fond, que disent-ils ? Vous les sentez malheureux ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je les sens malheureux. Et puis, ils ont honte, voilà. Honte de quoi ? Honte que leur petite fille ait rencontré cet homme. Ça, c'est voilà. Plus embêtant. Ah oui, mais oui, oui. Non, parce qu'ils pourraient avoir honte et ne pas savoir comment revenir et ne pas savoir comment renouer avec elle. Non. Le grand-père a dit des mots terribles à ce sujet.
moi vivant, il ne mettra pas les pieds. D'où vient, selon vous, vous leur avez demandé pourquoi il y avait un tel rejet des Arabes, pour reprendre, puisque ce sont leurs expressions. Non, je ne leur ai pas demandé, mais d'où ça vient ? Je ne les aime pas, et puis c'est tout. Voilà. Pourquoi ? Ça serait intéressant de les faire développer. Pourquoi ? Au fond, pourquoi, au-delà de dire je ne les aime pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, ça je sais pas. Et cet homme-là, vous le connaissez ? L'avez-vous Non, mais ça serait bien de leur poser la question. Vous ne les aimez pas et votre petite fille, vous l'aimez, vous l'avez élevée, vous pourriez leur dire. Votre petite fille, vous l'avez élevée, vous l'aimez. Et au fond, vous êtes, ça vous rend malheureux de ne pas l'avoir. Et puis peut-être que vous pourriez leur dire, puisque vous êtes plus jeune qu'eux, hein, Mireille. Mais vous êtes aussi une dame d'un certain âge, et vous pourriez justement vous dire, vous n'êtes pas éternelle, personne ne l'est. Mais et vous privez de voir votre petite fille parce que vous restez buté sur vos positions. Oui, mais je leur ai dit tout ça. Bon, eh bien, alors... Oui, mais ils restent sur leur position. Bon, eh bien, alors, vous savez, quelqu'un qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais je vous ai appelé parce que, comme je vous écoute tous les soirs jusqu'à minuit et quart en maximum, et peut-être Caroline a une idée, je ne sais pas, mais ça a l'air sans issue. Quand les gens ne souhaitent pas débloquer une situation, c'est effectivement... très compliqué. Il n'y a pas de baguette magique. Je n'ai pas cette baguette magique. Je sais. Moi, ce que j'entends, c'est après tout que cette jeune femme, elle peut continuer sa vie. Ah oui. Et qu'après tout, ces personnes-là, les grands-parents, se rendent malheureux, mais ils contribuent à se rendre malheureux par leurs préjugés. Oui, c'est vrai. Alors peut-être que vous dites, c'est le grand-père qui est le plus obstiné, est-ce que dans un couple, parfois, il y en a un des deux qui mène un peu la danse, qui prend un peu le pouvoir sur l'autre. La grand-mère est-elle aussi figée dans ses positions que le grand-père ? Et la grand-mère écoute le grand-père complètement. Elle écoute, mais pour autant, a-t-elle les mêmes positions ? Elle a les positions, mais je sens qu'elle serait plus malléable si lui changeait d'idée. Mais il ne changera pas d'idée. Bon, peut-être. Elle, pourquoi ne pourrait-elle pas voir sa petite fille en dehors du grand-père ? Ah non, ça ils le feront pas. Non. Peut-être que cette dame pourrait voir sa petite fille en dehors de son mari. Après tout. Ah non, elle le fera pas. Vous ne savez pas ? Non. Elle le fera pas parce qu'il y a le père au milieu aussi. Le père de cette jeune femme. Oui, le père, oui. Qui est le fils de ce couple. Voilà, c'est le fils, oui. D'accord. Donc c'est tous les trois. D'accord, ils sont bien ancrés dans dans cette dans le racisme. Ça, je crois. Comment ? Ils sont butés ? Oui, ça va au-delà, oui. Au-delà. Donc le père refuse aussi de voir sa fille. Ah aussi. Et par rapport à la fille qui parle de projet de bébé. Là aussi, il n'y a pas de, ça n'infléchit pas les choses. Non, ça attise certainement même leur ressentiment. Ah non, mais ça sera pire. Ils ne verront jamais ce bébé si un jour c'est fait. C'est vraiment la cassure complète depuis un an. Oui. Ça fait long déjà. Et comment réagit donc vous avez votre belle-fille que vous adorez, c'est la sœur. Elle est en bon terme avec sa sœur. Oui, mais on la voit d'où elle vient. Ça doit être difficile pour elle d'être dans cette famille. C'est très difficile. Oui. Parce qu'elle, elle aime bien son beau-frère. Ah oui. Mais il est très gentil, je le connais. Très, très gentil. Non, il n'y a pas de problème là, mais bon, ils sont heureux. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte, Mireille. Oui, moi je pense. C'est que ça n'empêche pas ce couple de se construire. Non, je pense pas, Ça, je crois pas. Ils s'aiment trop. Et ça se voit. Il y a des couples qui, contre vents et marées, malgré tout, se construisent et contre l'hostilité d'une famille. Contre l'intolérance d'une famille. C'est dommage.
Vous savez, il y a des personnes qui rejettent en bloc l'autre, l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Il faut relire L'étranger de Camus. Hein. Oui. Tout est dit. Je savais pas que ça existait encore quand même, à ce point. Si, malheureusement. Malheureusement. Ça existe et il est difficile de changer certaines mentalités. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas. Je suis désolée, mais là, je ne peux pas. Quelqu'un qui ne veut pas, et c'est difficile sur des personnes comme ça, d'autant plus très âgées, qui parfois sont très, d'autant plus repliées, très ancrées. C'est très difficile de faire bouger parce que c'est très enraciné. Il y a quelque chose de très profond, de très viscéral, de très. Ça vient de loin. Hein, ça vient de loin là. C'est. Bon. Non, mais vous savez, je vous ai téléphoné. Je savais qu'il n'y aurait pas de solution, mais bon, comme je vous écoute tous les soirs et que c'est. Je sais pas de. Si vous saviez si. Si on. Il n'y a pas. Comment dire. L'intolérance, le racisme, la xénophobie, l'homophobie. Continue à être présente. Simplement, effectivement, aujourd'hui, c'est puni par la loi quand quand ces propos sont tenus directement en public. Donc, c'est plus on fait attention à le dire, mais dans les faits, ça reste présent dans encore beaucoup d'esprits. Malheureusement. Et bon, on le voit dans certains exemples comme ceux que vous évoquez. Alors j'ai un message qui dit « Je ne pense pas qu'il s'agit de racisme et il va falloir que cette fille se convertisse à l'islam ». Voilà une dérive. Une dérive, je pense, comme on peut malheureusement le constater. Je crois, vous me dites que cet homme est français d'origine maghrébine et tout de suite c'est associé à islam. D'abord, bon, on peut être français d'origine maghrébine. Il y a beaucoup de français d'origine maghrébine qui ne sont pas pratiquants. Non, mais pas du tout. Il est pas pratiquant et il mange tout ce qu'il faut. Il peut manger du porc. C'est toute ces dérives qu'on voit et ces peurs que avec toute l'instrumentalisation qu'on en fait autour de ça. Bien sûr. Malheureusement. Et ce message en est un petit peu le reflet. Donc toutes les peurs et qu'il y a au fond derrière et les peurs de l'autre et les peurs de l'étranger. Voilà. Moi, ça m'est pas venu à l'idée, ça, que plus jamais, de toute façon, et il n'est même pas question de religion là-dedans. Il s'aime tellement. Oui, mais c'est ça, on associe tout de suite, voyez, hein, c'est-à-dire, français, d'origine maghrébine, hop, on glisse vers la religion. Alors qu'on oublie que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux. Il y a beaucoup de Français à ce moment-là. La souche de beaucoup de Français, c'est le catholicisme. Oui. Il y a des protestants, mais il y a majoritairement des catholiques. Pour autant, beaucoup sont athées, agnostiques ou catholiques, mais pas pratiquants. Enfin voilà. Mais dès qu'on dit d'origine maghrébine, automatiquement islam. On est dans un contexte très particulier et avec une certaine instrumentalisation autour. Donc, qui renforce aussi, qui cristallise beaucoup de peurs, qui les alimente et qui malheureusement alimente le rejet, le refus, l'exclusion de l'autre. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. De rien, Mireille, parce que. On peut pas, on peut en parler. Regardez ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec Barack Obama, tout ce qui se passe autour de sa personne, tout ce qu'il cristallise comme haine après avoir été élu, hein. Il faut quand même le souligner. Il a été élu. Mais regardez la haine que cristallise cet homme. C'est terrifiant. Moi, comme je suis pas dans ce contexte, ça me tue tout ça. Oui. Le ventre est fécond. On surgit la bête immonde. Hein. Oui. Si ça se dénouait, je vous appellerai. Avec plaisir.
Et je vous remercie infiniment. De rien, Mireille. J'aurais aimé vous aider que l'abscisse davantage. Au revoir, Mireille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Et oui, quelqu'un me dit, c'est avant tout la bêtise qu'il faudrait rejeter, non pas l'étranger, mais ça, elle n'est pas prête d'être éradiquée. La peur non plus, hein. Les peurs, on gouverne par la peur. On accueille Denis. Bonsoir Denis. Denis, vous êtes avec allez-y. Nous ? Comment ? Denis, vous êtes à l'antenne, bonsoir. Oui, je suis là, oui, je vous écoute. Eh bien, c'est moi alors qui vais vous écouter. Bonsoir. Bon, je pense qu'on vous a résumé le problème que je rencontre. Alors, j'ai une petite fiche sous les yeux. Alors, vous avez un différend, vous, dans votre famille, avec votre petite fille de 13 ans. Voilà. En préambule, je voulais quand même, par rapport à ce que vous avez dit il y a deux minutes, rendre hommage à la façon dont vous traitez le sujet. Je pense que s'il y avait davantage de gens qui avaient les choses que vous avez dans la tête, dans la leur, ça serait beaucoup mieux, quoi. Le monde y tournerait peut-être plus un petit peu à l'endroit, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec les propos que vous avez tenus concernant le racisme, et la plupart du temps, je vous écoute parce que j'ai des problèmes de sommeil, donc c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que la façon dont vous traitez les choses, ça me paraît quand même, c'est bien, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien. Mais oui, merci. Alors, donc ça me rassure, et je reçois un message de la même personne qui me disait qu'il allait falloir que cette pauvre fille se convertisse à l'islam, qui me dit que je vis moi sur une autre planète et qui me rappelle. Mais je crois, non, je pense être lucide et consciente, mais que bon, après tout est une question d'analyse et de regard que l'on pose, quoi. Soit on est dans la stigmatisation, soit on essaye plutôt d'être dans l'ouverture et dans la compréhension. Complètement. Oui, alors, me concernant, si vous voulez, pour résumer, le truc, c'est que moi, je suis divorcé déjà depuis longtemps. J'ai deux filles qui ont actuellement 42 ans et 38 ans. Et j'ai trois petites filles. Donc, j'ai deux petites filles qui ont 18 ans. Elles ont pratiquement le même âge, à 4 mois d'écart. Et puis, j'ai une autre petite fille qui a 13 ans. Oui. Et là, il y a un problème. Parce que, alors bon, je ne sais pas d'où ça vient. Cette petite, j'ai jamais eu son amour. J'ai jamais réussi à obtenir la spontanéité de sa part. J'ai jamais réussi à ce qu'elle vienne vers moi. J'ai jamais réussi à ce qu'elle me parle, j'ai jamais réussi à ce qu'elle me regarde. Alors, je me pose des problèmes quant à ma personne. C'est-à-dire que quelquefois, j'avais tendance à me culpabiliser parce que, bon, j'étais enseignant, donc je connais les gosses et j'ai jamais eu de problème comme ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'aimait pas, comme semble le faire sentir ma petite fille, quoi. Oui. Donc, ça me bouffe la vie, quoi. Je suis très mal à cause de ça. Et j'en avais parlé à ma fille, qui est sa mère. Et je lui avais dit qu'il fallait qu'elle intervienne, quoi, que ça pouvait plus durer, qu'elle me manquait de respect, etc. Mmh. Ceci étant, je sais aussi qu'elle se comporte de cette façon-là avec pas mal de gens, mais à la limite, le comportement qu'elle a vis-à-vis des autres, ça m'indiffère un peu, c'est d'abord vis-à-vis de moi. Oui. Je me sens vraiment rejeté, quoi. Donc à partir de là, au cours d'un petit repas qu'on avait fait chez ma fille la plus jeune, parce que j'ai deux filles,
Elle m'a manqué de respect, la petite, et j'ai demandé à ma fille aînée d'intervenir. Elle a dit qu'elle était petite, qu'il fallait la laisser. Bon, ça fait 13 ans que ça dure. Hein, J'allais vous demander justement, Denis, quand vous dites que vous n'avez jamais eu son amour, que vous êtes toujours senti rejeté, comment ça se passait quand elle était petite? Parce qu'à 13 ans, c'est un âge un peu compliqué, ouais, mais quand elle non, était non. plus petite, voyez, quand c'était vraiment une petite fille. Oui, alors justement, je vais vous en parler. Elle avait 3 ans. Oui. 3 ans, hein, elle est en maternelle. J'étais déjà en retraite, moi, à cette époque-là, et ma fille m'avait demandé d'aller la chercher à l'école maternelle de façon à la soulager, parce que elle travaillait déjà. Hein. Mmh. Et la gamine, je l'ai cherchée en maternelle, elle me disait les pires trucs, quoi. Je t'aime pas, t'es pas un bon papy, t'es... Bon, ce que... Mmh. Bon, je me suis pas formalisé à cette époque. Je me suis dit qu'elle était petite et qu'elle allait changer, quoi. Mmh. Et puis finalement, rien n'a changé, quoi. Alors, oui, ou qu'elle aurait pu être en colère à ce moment-là sur quelque chose de ponctuel. Je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais les choses se sont multipliées, quoi. C'est ça, oui. Même et petite fille, elle n'était pas, il n'y avait pas cette tendresse que peuvent avoir les petits enfants. Ben voilà. Alors, ouais. Justement, parce qu'il y a des. Comment dirais-je, il y a des choses, on est quand même dans cette société, papy gâteau, mamie gâteau, etc. Oui. Donc je me disais, mais c'est pas possible, je suis son grand-père, elle devrait m'aimer, quoi. Mais non, ça se passe pas comme ça. Vous étiez justement un papy gâteau, vous aviez envie d'être tendre un peu. J'avais pas envie de ça. Mais c'est compliqué face à un enfant qui vous sentiez rejeté en même temps. Hein. Je peux pas. J'étais devant un mur, quoi. Je savais pas comment lui prendre. Quoi. Comment était-elle? Parce que c'est important. Je comprends en même temps. Vous me dites, bon, à la limite, la façon dont elle se comporte avec les autres, peu importe. Mais c'est quand même important dans la compréhension de dire que. Elle a également cette attitude-là avec d'autres personnes que vous. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement contre vous. Il y a quelque chose en elle, chez cet enfant, peut-être d'une colère, d'une agressivité, qui s'exprime et qui veut dire qu'il ne vous est pas seulement destiné. Oui, c'est exactement ce que je m'efforce de croire, mais n'empêche que... Oui, non. Comment, comment est-elle avec son père, sa mère? Est-ce qu'elle était tendre avec ses parents? Est-ce que c'était une petite fille Je crois que non, elle n'était pas tendre. Non. Elle n'est toujours pas d'ailleurs. C'est pas une petite fille, oui, tendre. Ouais. Elle n'est toujours pas, quoi. Non, bon. Et moi, j'aurais voulu l'aimer, quoi, parce que... Bon, alors le problème aussi, je sais pas... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mmh. Quand quelqu'un vous rejette très longtemps et très souvent, en dépit de l'amour que vous voudriez avoir pour cette personne, en l'occurrence ma petite fille, quoi. Bon, c'est normal que je trouvais qu'il était normal que je l'aime, quoi. Mais en fait, petit à petit. Moi, je n'arrive plus à la voir comme je la voyais au départ, quoi. Quand elle était bébé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À force d'être rejetée, la personne rejette elle-même. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous voyez, c'est compréhensible. Je sais pas si c'est normal. Mais je la vois plus du tout de la même façon qu'avant, quoi. Oui, ben vous l'avez très bien dit, hein. Vous dites elle ne m'aime pas, je me sens vraiment rejetée, donc du coup il y a une distance vraiment qui s'est créée entre vous. Voilà. Et du coup vous-même quand on se sent rejeté, on n'a pas envie d'aller vers l'autre, hein. C'est spontané, même si cet autre est sa petite fille, hein. Oui. Alors comment, parfois il faut remonter un petit peu plus loin. Voilà, quelle relation aviez-vous avec sa mère, avec avec votre fille Avec ma fille. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai précisé au départ que j'étais divorcé depuis très longtemps. Mmh. J'ai vécu 15 ans avec mon ex-femme.
et avec laquelle j'avais quelques différends quant à l'éducation des enfants déjà. Mmh. Déjà, on voyait pas vraiment les choses de façon. Je veux dire que l'éducation des enfants, mon ex-femme, c'était vraiment l'enfant roi, quoi, avec tous les. Attention, c'est pas une critique vis-à-vis d'elle, mais je veux dire que moi, je trouvais qu'elle était trop permissive. Je veux dire qu'il faut poser, à mon avis, pour éduquer un enfant, il faut lui fixer des limites, quoi. Mmh. Il y a des choses qu'il doit connaître. Mmh. Il y a des choses que il peut pas tout inventer. Je comprends, faut, oui, tout à fait. Enfin, c'est mon avis, quoi. Et donc déjà, il y avait un problème de cet ordre. Et ce problème, mes filles à l'époque, qui étaient jeunes, qui étaient petites, en ont été témoins. Et donc, elles ont peut-être, elles m'ont mis peut-être dans une catégorie et leur mère dans une autre catégorie. Je sais pas si je m'explique. C'est-à-dire bien. Un père un peu sévère et une voilà, maman au contraire. Voilà. C'est un peu schématiquement c'est ça. Hein? Et à partir de là, ma fille est née. Pourtant, je crois qu'elle m'aime. Hein, j'espère du moins. Moi, je l'adore aussi. Mais peut-être que déjà, ce serait du domaine de l'inconscient. Elle me voit comme quelqu'un de un peu sévère. Oui. Et j'ai pas du tout cette impression-là. Oui, par exemple, quand vous disiez qu'il y a eu cette, quand vous étiez en famille et que vous avez dit votre petite fille vous a manqué de respect, vous en parlez à votre fille, lui demandant d'intervenir, et votre fille vous dit, oh écoute, elle est petite. Au fond, voilà, elle prend la défense de sa fille, voilà, donc sous-entendant que vous étiez un peu sévère. Que s'était-il passé d'ailleurs, finalement, en quoi vous avez-elle manqué de respect? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était courant, hein, c'est-à-dire c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Oui. C'est-à-dire que bon, tu connais rien, papy, tu connais rien, quoi. Tu n'as pas ton mot à dire parce que ça, tu peux pas connaître. Bon, votre petite fille vous disait ça. Ah oui. Non, oui. J'invente pas, hein. Mais j'aimerais bien inventer, hein. Mm-hmm. J'aimerais bien, mais oui. Ça se passait comme ça. Mais je veux oui, dire, c'est pas agréable pas, de s'entendre c'est ça. Le, c'est pas le fait de, uniquement de ce soir-là, quoi. Oui, c'était une accumulation. C'était l'accumulation des choses, quoi. Et là, je sais pas, il arrive un moment où il s'agissait de ma personne, quoi. Je me suis senti, je sais pas, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de partir. Pour éviter de créer un truc. Est-ce que vous pensez que vous pourriez parler avec votre petite fille? Parce que finalement, autant, au fond, peut-être aujourd'hui à 13 ans, ne pensez-vous pas qu'elle pourrait entendre certaines choses et de dire... comme s'il y avait un malentendu entre nous. J'aimerais bien qu'on se parle parce que, au fond, quand on se parle, j'ai le sentiment qu'on se comprend pas tous les deux, et puis qu'on s'agresse ou que toi je te sens en colère et puis moi aussi je suis en colère et qu'on n'arrive pas à bien se parler. Et c'est dommage. Parfois ça me rend malheureux et j'aimerais bien pouvoir être plus proche de toi parce que t'es ma petite fille et tu comptes pour moi. Parce qu'au fond, ça vous rend malheureux. Absolument, oui. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que. Mais est-ce que vous ne pensez pas. Il s'est déjà passé 8 mois déjà que je ne les ai pas vus, que je ne les ai pas eus au téléphone. Rien du tout, quoi. Et oui, c'est ça. C'est ce qui complique la chose. Ça complique les choses, Denis, dans cette relation avec votre petite fille. C'est qu'il y a, malgré que vous aimez beaucoup votre fille et qu'elle vous aime, il y a une,
une certaine distance qui n'empêche pas l'amour, mais une difficulté certainement à vous parler. Donc ça se répercute aussi dans la relation avec votre petite fille. Ça aurait pu ne pas être le cas, parce que parfois, et vous me dites par rapport, vous me parlez de cette petite fille de 13 ans, avec celles qui ont 18 ans, ça se passe mieux, semble-t-il. Ah oui, hein, il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de problème, là. Mmh. Et il n'y a jamais eu de problème avec les enfants, d'ailleurs. Je fais classe, je pense que les gosses m'aimaient bien, quoi. Je le sentais, hein. Oui. C'est pas du tout, je l'ai ressenti comme mais ça. Oui. Toute ma carrière, ça s'est très bien passé, quoi. Mais à vous entendre, Denis, c'est ça, c'est que on vous sent, moi je vous sens tellement affecté par cette relation. Que c'est dommage, il faut essayer d'en faire quelque chose et de briser un peu la glace, comme on dit, briser le mur. Et je vous assure que c'est vraiment pas impossible. Ça vous paraît, c'est difficile parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aimé et que vous êtes rejeté. Mais dites-vous que votre petite fille, ça se trouve, ça reste encore une enfant. D'une certaine façon, alors une adolescente, une toute jeune adolescente, elle a 13 ans, mais une enfant par rapport à vous qui êtes son grand-père, c'est dans ce sens-là que je dis ça, hein. Oui. Entre un grand-père et une toute jeune fille de 13 ans, bon, c'est une enfant par rapport à vous. Donc dans cette hostilité qu'elle exprime, il y a quelque chose, peut-être d'une colère, de quelque chose où elle-même elle arrive pas bien à se situer, elle arrive pas à trouver sa place. Et que si au fond en lui parlant comme ça, vous la prenez au sérieux aussi. Et vous lui montrez qu'elle compte pour vous. C'est possible. Que finalement... Je me suis déjà posé la question, effectivement. Mais c'est-à-dire là où... Je vais quand même dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça pour montrer que j'existais, quoi. Ah oui, non, mais moi, je vous donne pas tort. Mais bien sûr, mais attendez, mais il est important, bien sûr que vous avez raison de vous faire respecter, qu'il est important de vous faire respecter. Mais il est important qu'elle aussi, dans cet échange, elle peut avoir le sentiment que si, en gros, bon, je vais dire les choses de façon un peu simpliste. Il faut pas qu'elle ait l'impression que vous soyez, s'il n'y a pas eu jusqu'à présent, et c'est ce qui vous rend malheureux, de côté tendre dans votre relation, si elle vous perçoit que comme le père fouettard, ça peut pas aller. Le grand-père fouettard. Voyez? Oui, on peut, à certains moments, et vous avez tout à fait raison de demander à être respecté, bien évidemment qu'on parle pas à un grand-père comme on parle à ses copains ou comme on parle. C'est tout à fait normal. Effectivement, une petite fille de 13 ans qui va dire, et en plus tout dépend le ton qu'elle emploie, de dire, dis donc, toi t'as rien compris, tu connais rien à la vie. Ça va quand même, il faut remettre les choses à leur place. Bon, je comprends que ça soit vexant et dire, dis donc, et on va un petit peu se calmer. Mais dans la mesure, si vous aviez une relation affective qui s'est construite depuis l'enfance, ça pourrait être entendu. Simplement, comme ça, jusqu'à présent, ça a un peu manqué. Ouais. Bah, elle vous perçoit que comme le grand-père fouettard. Mais c'est elle qui m'a rendu comme ça aussi. Mais j'ai bien compris. Il y a quelque chose qui s'est pas mis en place jusqu'à présent. Mais j'ai compris. J'ai pensé à la solution que vous préconisez. J'y ai pensé. Mais le problème, c'est que j'ai la trousse que de me faire rejeter. J'aurais du mal à m'en remettre parce que là, je reviendrai plus jamais, quoi. Je crois pas, Denis. Peut-être que, alors, dites-vous qu'il peut y avoir un petit moment, vous savez, bon, 13 ans, vous le savez bien, hein, vous avez travaillé avec des enfants, c'est un âge un peu compliqué, il peut y avoir... Mais je vous assure que si vous y allez vraiment, il faut que vous vous sentiez, vous, un moment où vous êtes prêt, un moment, que vous trouviez un moment un peu d'intimité avec elle. Et un moment, effectivement, où vous la prenez pas, où elle est, je sais pas, en train d'être dans quelque chose qui lui plaît, où elle est, je sais pas, sur son ordi, en train de faire un jeu qui la passionne, ou quelque chose, et que vous l'appelez, dire, bien, ma petite, il faut qu'on parle, ou quelque chose comme ça. Il faut que vous trouviez un moment, un peu que vous créiez un moment avec elle. Oui, mais je vis pas à côté d'elle, quoi. Mais vous allez trouver un moment où peut-être au moment de Noël, ou des choses comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je crois qu'il faut qu'il y ait ma fille avec. Il faut que ma fille soit là. Je crois pas, moi. Enfin, moi, je l'en sens comme ça, parce que j'ai peur de... J'ai jamais parlé avec cette petite. Hein. Mais justement... Pas parlé comme je parle actuellement, quoi.
Eh bien, justement, je pense qu'elle sera certainement elle-même surprise qu'en lui parlant, vous allez la considérer. Vous allez lui montrer qu'elle compte pour vous, parce qu'elle compte pour vous, cet enfant. Vous avez raison. Je crois, on l'entend à quel point elle compte. C'est clair, mais... Et vous allez voir que les mots, ils vont venir, Denis. Oui, mais d'accord. Mais il y a un élément, on en a parlé il y a 2 minutes... si vous voulez, à force d'être rejeté, oui. Moi, je n'ai plus la même vision d'elle. Oui, vous en avez un peu peur. Un peu peur dans le sens où, oui, vous avez peur d'être de nouveau rejeté. Mais soyez confiante, dites-vous que même si elle a un mouvement d'humeur, de dire, prenez sur vous, et dites-vous, dire, je sais que c'est compliqué. Nos relations, elles sont compliquées. Et par moments, je sais que je te sens en colère. Et puis moi aussi, parfois, je suis en colère. Et on a du mal à se parler tous les deux. C'est compliqué, hein. Mettez des mots là où elle est. J'ai tellement de sentiments que... Là où elle... dites-lui, que Denis. Mon existence est... C'est-à-dire qu'elle s'en fout, quoi. Je veux dire... j'ai toujours eu cette impression, quoi. Dites-lui, Denis, que dire finalement, tu sais pas à quel point tu comptes pour moi. Ça, et elle sera touchée, votre petite fille. Peut-être. Parce que je suis sûre qu'elle n'imagine pas une seconde... Je suis peut-être trop fier par rapport... Je crois. Oui. Et je crois qu'elle n'imagine pas une seconde. Je crois que c'est vrai. Mais il faut que... C'est ma personne qu'il faut que je remette... Un petit peu. Parce que vous l'avez dit vous-même. Vous dites que vous vous posez aussi des questions quant à votre personne. Mais c'est bien, c'est un signe d'intelligence. Oui, mais je veux pas trop m'en poser quand même. mais vous avez raison. Mais le fait que elle vous ait, vous vous soyez senti rejeté, vous vous êtes protégé. C'est normal en même temps. Quand on se sent rejeté, Denis, on se protège. Hein, on se protège et du coup, on part les coups et on est dans une attitude défensive. Mais dites-vous que vous avez affaire à une enfant et que cet enfant, vous êtes son grand-père et que au fond, elle attend aussi, certainement, elle aussi, elle s'est habituée, entre guillemets, à cette relation. Elle pense que les choses ne peuvent pas changer et qu'elle sera certainement très surprise de découvrir que derrière ce grand-père un peu bourru, il y a un homme tendre. Je crois pas qu'elle me prenne pour quelqu'un de bourru. Un grand-père un peu fouettard ou sévère. Alors, il y a pour conclure, il y a deux auditeurs, parce qu'il faut qu'on conclue, qui disent, la fée de Rager qui dit, et Jean, si c'est difficile pour vous, les mots, vous pouvez, comme point de départ, en lui parlant comme ça, dire peut-être une petite lettre. Ça peut être un point de départ. Ouais, et puis après, vous lui en parlez. Peut-être. Hein? D'accord? Et puis, vous me tenez au courant, si vous le souhaitez. Beaucoup. Oui. Non, je vous tiendrai au courant, mais enfin, on peut pas vous avoir en dehors de l'antenne, quoi. C'est ça. J'aurais voulu pouvoir vous parler parce que j'avais pas du tout envie d'exposer ma vie, quoi. Mais vous n'avez pas exposé votre vie. On ne sait rien. Mais Denis, on ne sait rien de votre vie. Vous nous avez parlé de votre petite fille. Oui, absolument. On ne sait rien de votre vie. D'accord. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, Denis. 39, 21, 34 centimes la minute.
C'est la deuxième heure de cette libre antenne. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Place à vos témoignages au 39-21, à toutes vos réactions par SMS au 7-21-21, en commençant votre message par le mot « nuit ». À l'auditeur ou à l'auditrice qui me dit quel est le mot-clé, sachez que votre message est bien arrivé. Vous l'avez écrit, c'est le mot « nuit ». Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Alors, des messages justement qui arrivent par courriel, qui réagissaient au témoignage de Mireille, hein, qui était un peu désespérée de voir que la sœur de sa belle-fille n'était pas acceptée, était rejetée par ses grands-parents qui l'avaient élevée et par son père, parce qu'elle était avec un jeune homme français d'origine maghrébine. J'ai envie de dire qu'on devrait dire français. Voilà, il y en a un peu marre des Français de souche et des Français d'origine. On est français ou on ne l'est pas. Et il y a Élodie qui m'écrit, qui dit « Je suis issue d'une famille bourgeoise, catholique, pratiquante. Il y a 10 ans, j'ai rencontré un homme maghrébin. J'en ai parlé à ma famille. Ils n'ont pas accepté. Je suis partie avec lui. On s'est installé. Ma belle-famille ne m'a jamais rien imposé. J'ai eu mon premier enfant. Le jour de l'accouchement, j'ai envoyé un courrier à ma mère alors que je n'avais eu aucun contact avec ma famille durant 6 années. J'ai donné l'adresse de la clinique. Ils sont venus tout de suite. Ils ont discuté avec mon mari. Tout se passe bien maintenant. D'ailleurs, mes parents vont chez ma belle-famille au Maroc cet été pour les vacances. » Élodie ajoute, on n'épouse pas la famille. Mais bon, heureusement, il y a eu une fin heureuse. Parfois, voilà, il y a des rencontres qui se font et qui vont au-delà des préjugés. Frédéric me dit, pour Mireille, je pense qu'il faut se souvenir que si le grand-père a 80 ans, il a dû connaître d'une manière ou d'une autre la guerre d'Algérie et toutes ses conséquences collatérales qui n'en finissent pas de rejaillir sur les relations entre Français et Algériens. Cela pourrait peut-être expliquer cela, me dit Frédéric. Et puis, des messages aussi qui arrivent pour Denis. Quelqu'un me dit, je suis très émue à l'écoute du témoignage de Denis. Je me retrouve dans ce dernier après la mort de son père. Avec mon fils, les rapports ont été difficiles. Alors, attention, parce que vos messages sont limités à 160 caractères. Donc, si vous voulez témoigner, plutôt revenir sur un témoignage, appelez-moi au 39-21 et comme ça, vous pourrez nous dire en quoi une histoire vous a touché. On pourra développer plus longuement, parce que c'est vrai que développer une histoire comme ça qui vous touche par SMS en 160 caractères, c'est impossible. J'ai également quelques messages qui avaient été mis. Attendez, il faut que je regarde sur mon écran. Je crois que quelqu'un me dit les ados se protègent, cachent leurs sentiments derrière des mots durs. Parfois, parlez-lui ouvertement, juste tous les deux, dit Bulle. Hein, pensez aussi que c'était pas forcément une bonne idée d'en parler en présence de la mère. Et puis, le subversif dit, l'hostilité de votre petite fille doit faire l'objet d'une exploration, car c'est une langue qu'elle pratique sans l'aimer pour autant et exprime une chose qu'il faut traduire pour mieux vous entendre. Allez, moi j'ai une petite annonce à faire, puisque vous savez qu'on prépare une émission spéciale pour la décennie de cette libre antenne qui aura lieu le 9 décembre et que nous comptons sur vos témoignages. Alors, dites-nous eh bien ce que cette émission a changé dans votre vie, en quoi elle a pu être un déclic, peut-être un tournant, une prise de conscience. Est-ce qu'elle a été déterminante à un moment donné de votre existence? Est-ce qu'elle vous a permis de débloquer une situation? Est-ce qu'elle vous a apporté beaucoup de réconfort à un moment donné? Est-ce qu'elle vous a permis de nouer des liens avec d'autres auditeurs, de développer des relations amicales, de vivre une histoire d'amour peut-être? Venez nous le raconter au 39-21. Vous vous laissez guider par le répondeur et vous n'oubliez surtout pas de laisser votre prénom,
un numéro de téléphone. Je compte sur vous, hein, sur vos appels. On a vraiment besoin de vos témoignages parce que c'est vrai que c'est la décennie de cette émission. C'est important de voir ce qu'elle a peut-être, en quoi ça a pu être important pour vous. Et on a, j'ai vraiment envie que vous soyez au cœur de l'émission. Donc merci par avance, 3921. Et vous vous laissez bien guider par le répondeur. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je vous appelle parce qu'il m'est arrivé quelque chose ce week-end d'un peu spécial. Oui. Donc c'est-à-dire, je vous raconterai après, enfin c'est par rapport à un homme, hein. Je vous raconterai un petit peu le résumé de l'histoire, mais je vais commencer par la fin. Je vais un peu comme ça. D'accord, comme vous voulez. Donc en fait, c'est un ex à moi que je fréquente en tant qu'ami depuis maintenant 4 ans. On a eu une relation moins de 1 an et après on était amis, amants, etc. Et donc quand on continue à se voir, on se voit toujours, on a toujours des relations quoi. Sachant qu'auparavant on habitait dans la même ville, maintenant je suis loin, donc il fait vraiment le déplacement, je fais le déplacement, on se voit vraiment pour se voir. Donc là, le week-end prolongé, il est venu, c'était prévu depuis un petit moment. Donc on a passé un week-end, je dirais, pas comme je l'entendais, dans le sens où je l'ai trouvé un peu évasif, un peu dans son monde. Ça lui arrive parfois, quand, je sais quand il a quelque chose qui le tracasse. Et bon, je me suis pas posé plus de questions, parce que moi je suis aussi dans d'autres problématiques, donc bon, je vais pas trop creuser le sujet, on va dire. Et par contre, je l'ai trouvé quand même, par rapport à la façon, sa façon d'agir habituelle, je l'ai trouvé un peu différent. C'est-à-dire que là, il commençait un peu, pas à me dénigrer, mais à me dire des propos pas très sympas. Ah qui n'était bon pas faux genre, oui. Oui, du genre, je vais prendre un exemple, c'est pas exactement le mot, mais t'es une bonne à rien, mais tu sais n'importe quoi, vraiment pas sympa, je minimisais parce que j'ai pas trop envie de dévoiler, et moi ça m'a un petit peu choquée, j'ai rien dit sur le moment, je me suis dit bon c'est pas grave, passons. Et puis quand il est parti, enfin le matin où il est parti, on s'est un petit peu... engueulé entre guillemets, parce qu'il faut savoir que moi, je vous avais appelé la semaine dernière, j'avais des relations, des problèmes de relations avec les hommes, et celui dont je vous ai parlé, je ne l'ai pas oublié. Donc c'est vrai que d'habitude, quand il venait, on avait toujours l'habitude de faire l'amour normalement, ça se passait normalement. Là, j'avais plus envie, parce que j'avais l'autre dans la tête. Donc c'est la première fois que ça se produisait. Sauf que quand même, 2 jours après, dans le week-end, il a essayé, et j'ai quand même fait avec lui, enfin voilà. Alors, mais avec lui, si je comprends bien, Sonia, c'est, vous dites ami-amant, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation suivie. Ah non, c'est pas du tout. Oui, c'est ça, vous voyez, c'est quand vous voyez parfois c'est il vous arrive de faire l'amour ensemble, mais c'est pas une relation Ah pas du tout. D'accord. Pas du tout, il a une copine, il a une amie, on se texte presque tous les jours, on se mail, on s'appelle, enfin vraiment on se dit beaucoup de choses quoi, comme des amis, mais sauf qu'il y a ça en plus, voilà. D'accord. Et donc comme moi j'étais quand il devait partir en week-end chez des amis à côté, j'avais pas voulu l'accompagner, qui était dans la région. Et sauf que le matin, on commençait à se chauffer un peu, donc moi je voulais finalement qu'il reste. Et bien sûr, il a pas voulu, il m'a dit non, moi j'ai rendez-vous, je pars. J'ai dit on peut y aller après. Enfin, tu mets toujours comme ça dans l'attente, dans le désarroi. Je comprends pas. Quand toi t'as envie, je fais. Et quand moi j'ai envie, il y a plus personne. Oui. Bon, donc il est parti, je lui ai envoyé un message le soir pour lui dire reviens, qu'on passe une soirée romantique, etc. Bon, il n'est pas revenu. Je lui ai envoyé un mail par la suite pour lui dire tout ce qui n'allait pas, pourquoi il m'avait mal parlé, etc., etc., même devant les gens, donc ça, je n'ai pas trop supporté. Et il me renvoie un mail, bon, en me disant des choses. Parlez bien dans votre combiné, je vous perds parfois. Oui, excusez-moi. Et donc je vous dis, il me renvoie un mail en me disant, m'expliquant un petit peu les choses, et notamment il y a une phrase qui m'a fait tilt. Il me met, excuse-moi, mais en ce moment j'ai quelque chose qui me perturbe, je peux pas en parler ni à mes potes, ni à toi, c'est moi envers moi-même. Donc moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, cette phrase. J'ai dit, je le connais, c'est pas lui. J'ai eu peur, j'ai pensé au sida, j'ai pensé à beaucoup de choses vraiment qui sont assez graves, si vous voulez. D'accord. Donc, moi, ça m'a travaillé toute la nuit. J'ai pas réussi à l'avoir hier soir. Du coup, aujourd'hui, j'ai même pas pu aller travailler. J'avais peur pour moi-même et pour lui. Enfin, j'étais dans un état d'angoisse. Donc, j'ai réussi à l'avoir. Et après, j'ai pensé à autre chose. Mais vous l'avez eu et il vous a dit ce qui le perturbait?
Je lui ai dit, moi j'ai trouvé en fait, sans qu'il me dise, parce que je lui ai demandé si c'était le HIV, il m'avait répondu par mail que c'était pas ça, etc. Et cette nuit, ça m'a fait tilt. Je sais plus l'ordre exactement, comme j'ai pas travaillé, j'étais un peu perturbée, j'ai plus l'ordre en tête. Et en fait, il m'a dit qu'il avait eu des relations avec des hommes. Dans des Alors, il vous l'a dit, c'est pas vous qui l'avez deviné quand même. Non, c'est-à-dire que si, ce matin, moi, j'étais entre rêve et réveil, j'ai pensé à l'homosexualité. C'est curieux de penser à ça. Oui, mais parce qu'il a un côté des fois qui fait pas homme, il est pas viril. C'est pour ça que même moi, j'aurais pas pu envisager de vivre avec lui. Il a des fois des côtés, et puis je vois en matière sexuelle ce qu'on fait. Il y a des choses qu'il aime, et ça m'a tout de suite. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est pas la maladie, c'est l'homosexualité. Et donc je lui dis, il me dit, mais c'est incroyable. Il me dit, t'es trop fort, t'arrives toujours à tout deviner. Je fais oui, je sais pas comment je fais. Oui, c'est pas pour autant que j'arrive à gérer ma vie, mais c'est vrai que j'arrive à détecter un petit peu chez les gens ce qui va ou ce qui va pas. Mm-hmm. Et donc de ce fait, il me raconte qu'il va dans ses soirées libertines, etc., et qu'il a des relations avec des hommes. Mmh. Et je vous avoue que moi, ça m'a plus perturbée que lui, ça le perturbe finalement. Moi, j'arrive pas, je suis pas bien. Ça me fait quelque chose. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il partait chez sa copine d'ailleurs, et il a un peu clos la conversation. D'ailleurs, il fait toujours ça, il est toujours dans la fuite. Hein. Restez bien dans votre combiné, je vous perds. Excusez-moi. Ouais. Je vous dis, il est toujours dans la fuite, il ne veut jamais continuer une conversation, il ne veut jamais aller au bout de la chose. Et je lui dis, mais attends, tu es en train de me mettre mal, c'est normal qu'on en parle. Enfin, je lui dis, attends, j'ai une relation, même si elle n'est pas ce qu'elle est, j'ai quand même une relation avec toi. Enfin, je lui dis, c'est normal que... Et pourquoi ça me fait ça? C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je n'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout de la conversation avec lui et que je n'arrive pas à comprendre. Cet homme, je n'ai jamais réussi à m'en détacher. Ça fait 4 ans, il m'a fait de tout. J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui parce que j'ai appris qu'il me trompait. Il est revenu avec cette femme. Je l'ai toujours découvert par moi-même, c'est-à-dire sur Internet, hein, comme d'habitude, mais enfin, de manière plus fine, hein, quand même, en allant vraiment chercher dans l'ordinateur. Hein. Parce que je sens les choses, donc j'ai toujours trouvé quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour autant, j'ai jamais réussi à m'en détacher. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il vous échappe, peut-être. Je sais pas. C'est vrai que quand il m'a trompée la première fois, j'étais follement amoureuse de lui. Au début, j'étais vraiment amoureuse, mais vraiment amoureuse. Hein. Donc, quand j'ai appris qu'il m'avait trompée, surtout avec une personne que je connaissais, ce n'était pas une amie à moi, mais je la connaissais, je suis tombée des nues. Et surtout qu'il avait un aplomb dans le mensonge. Ça, c'est incroyable hein, pour quelqu'un de très gentil, de très... Il avait un aplomb dans le mensonge qui était assez considérable. Et du coup, moi, comme il ne m'écoutait pas, justement, comme je lui dis, écoute, on en parle, il est parti. Et je n'ai pas supporté, je ne supporte pas l'abandon, en fait. Je ne supporte pas qu'on me laisse. Quand je ne suis pas bien, il faut que la personne soit là. Oui, mais enfin, cet homme ne sait pas très bien où il en est dans sa vie, multiplie les aventures. Ce n'est pas parce qu'il est, il y a quelque chose qui le perturbe qu'il doit se permettre d'être désobligeant avec vous. Or, vous dites qu'il est venu chez vous la dernière fois et qu'il s'est montré très désobligeant avec vous, notamment aussi également en public. Ouais. Bon, alors pourquoi acceptez-vous tout cela ? Je sais pas, c'est ça. Bah, d'autant que vous m'avez dit que vous avez une relation en parallèle avec un autre homme, que vous l'avez en tête. C'est terminé. Bah, il aurait peut-être mieux valu poursuivre avec l'autre homme que continuer à courir après cet homme qui lui-même sait pas trop où il va. Ah oui, il est perdu. Bon, oui. Parce et vous, pense, vous perdez à courir après un homme qui est perdu. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça me met dans cet état-là. C'est que je suis un peu, j'ai un peu du dégoût. Non pas que je suis pas du tout contre les relations. Non mais ça n'a rien à voir. N'a rien à voir. C'est-à-dire que vous vous sentez remise en question dans la relation que vous pouvez avoir en tant que femme dans votre relation vis-à-vis de cet homme. C'est pas voilà. Après, c'est autre chose que cet homme ait des relations également avec des hommes, ça lui appartient. Mais ce que vous ressentez, vous, ça vous appartient aussi en propre. Bon, alors peut-être que finalement, ce que vous ressentez là va vous permettre aussi de vous détacher de lui à un moment. Et que c'est une étape qui, au final, peut être salutaire pour vous. Ah
Je pense, et de toute façon, moi, c'est ce que j'ai envie, mais là, j'arrive même pas à dormir, je suis en train de penser à ça, Oui, mais parce que vous vous perdez dans une histoire qui n'est pas la vôtre. Ouais. Donc, vous êtes dans un état d'anxiété, pour ne pas dire d'angoisse. Donc, finalement, cet homme, vous n'arrivez pas à le quitter, mais parce qu'il y a une part de lui qui vous échappe, et vous en découvrez un petit peu plus, parce qu'à travers sa bisexualité, hein, semble-t-il, il y a cette part, au fond, que vous sentiez chez lui, sans la nommer, précisément, et aujourd'hui, bon, le voile se déchire, et là, ça apparaît au grand jour. Donc, oui, cet homme vous échappe dans la mesure où vous ne pourrez jamais lui donner ce qu'il désire, puisque vous n'êtes pas un homme. Ouais. Donc, vous vous mettez dans une impasse. Vous ne pourrez jamais lui donner cela. Ouais, je sais donc bien. Vous êtes plongé dans une angoisse, mais bon, c'est en fait il y a aussi quelque chose de sa problématique à lui que vous ne pouvez prendre en charge. Mais après, c'est votre problématique à vous. Qu'est-ce que vous faites dans cette histoire-là? Alors, si ça vous met dans un tel état d'angoisse, il serait bon d'aller un peu en parler. Hein. Mais j'ai rendez-vous demain chez un psy que j'avais pris. Ah ben c'est très bien. Plus longtemps parce que là, alors, n'en parlons pas trop ensemble. Ouais. Si j'avais su cela, que vous aviez rendez-vous demain, je vous aurais dit, même Sonia, ouais. C'était pas pour en parler, c'était pas pour parler de ça. C'est parce que j'ai d'autres problématiques. Oui, mais vous allez parler de cela aussi et je préfère, si vous voulez, garder cette spontanéité pour ce rendez-vous demain. C'est parce que arriver aussi demain avec cette spontanéité, avec cette ça se prépare pas, rendez-vous chez le psy. Vous y allez avec ce que vous amenez, avec ce qui vient, avec cette angoisse qui vous étreint, avec tout ça. On n'appelle pas, c'est pas un entretien de recrutement, un rendez-vous chez le psy. Un entretien de recrutement, ça se prépare, ça se travaille, ça. Vous voyez, on n'y va pas avec sa fraîcheur et sa spontanéité. Non, mais un rendez-vous chez le psy, ça se prépare pas. Donc, essayez de passer une bonne nuit, de bien dormir cette nuit et allez à parler de tout ça, de vos angoisses, et forcément vous allez voir que certainement, ou peut-être pas, peut-être que d'autres choses vont émerger, mais allez effectivement en parler. C'est une bonne décision que vous avez prise, Sonia. Au revoir. Des messages qui arrivent pour Sonia par courriel. Déjà Simon qui dit « Premièrement, des homos peuvent être très masculins, genre moi », dit Simon. Oui, parce que Sonia disait « Oui, je me disais qu'il devait être homo parce qu'il faisait pas très masculin ». Et Simon ajoute bah, « Oui, en plus, il peut être, sans être homo, il peut être bisexuel ». Et il ajoute « Les bases ne sont pas saines. Que monsieur l'amant éclaircisse son histoire, vous aurez des bases de discussion et de relations plus saines. Ne restez pas la femme du placard toute votre vie », il ajoute, c'est juste mon avis personnel. Le subversif dit la peur de la solitude d'origine abandonnique se nourrit de bluffs avec avidité, car rien d'existant ne saurait la combler jamais. Prune, qu'on a plaisir de lire, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas lu, qui dit « Cette fausse relation est nocive, quittez-le afin de ne plus vous mettre en danger, courage à vous ». Et on a également Greg qui dit « Je me souviens de vous ». Moi aussi je me souvenais, elle a déjà appelé Sonia, hein, mais toujours dans la même spirale. Et Greg ajoute « Vous aviez pourtant entendu que ces relations ne vous menaient à rien. Que cherchez-vous au fond ? Cette angoisse vous suivra en continuant ainsi ». Non, j'espère qu'elle a pris la décision d'aller en parler et que là, elle va pouvoir avancer et un peu dénouer
qu'est-ce qui est au cœur, qu'est-ce qui la plonge comme ça, pourquoi il y a certainement effectivement une solitude, un sentiment d'abandon derrière tout ça. Catou, elle nous envoie un petit message et revient sur le témoignage de Denis en disant « J'aurais tellement aimé avoir un grand-père comme Denis. Je n'ai profité d'aucun des miens à cause de problèmes familiaux », ajoute Catou. Bonsoir Mondine. Mondine, vous êtes là ? Oui. Bonsoir. 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 Je voulais déjà vous remercier pour le fait d'avoir passé hier la dernière chanson de Louis Chédid. Elle est magnifique, hein, cette chanson. Elle est magnifique, franchement. Et voilà, quand vous pourrez la repasser, c'est bien. C'est pas moi qui décide, j'en profite pour dire. Je reçois des lettres en disant moins de chansons anglaises, plus de titres en français. Je ne décide pas du contenu des chansons, mais souvent. C'est Bertrand Rutili, le programmateur musical de la station. Et c'est vrai qu'elle est. Tu peux compter sur moi, Louis Chédid, un joli choix. Et c'est vrai que dans cette émission, ça s'inscrit particulièrement bien. Oui. Voilà. Donc, c'était ma petite réflexion. Je vous la dédicacerai quand elle passera, Mondine. Vous êtes gentille. Donc, voilà. Moi, je vous ai fait un petit message pour vous raconter un peu l'état d'esprit dans lequel je suis depuis quelques temps. Je suis d'une nature plutôt isolée. Oui. Je sais d'où ça vient parce que j'ai 53 ans et puis j'ai quand même beaucoup réfléchi à toutes ces années qui sont passées. Donc ça vient d'une éducation où chez moi il fallait absolument pas déranger les autres et il fallait rester bien tranquille à la maison. Et donc même en étant d'une grande fratrie, on était quand même isolés du reste du monde, on va dire. Hein, c'était la famille et le reste du monde. De plus, dans cette fratrie, moi, je suis vraiment la dernière qui arrive près de 10 ans après les autres. Donc, et oui, ça vous isole d'autant plus, oui, cette différence d'âge. C'est fratrie élevée en enfant unique dans une fratrie. Mmh. Et donc, je me sens seule dans mon quotidien. Et paradoxalement, là, depuis le début de l'année, j'ai changé de travail. Oui. Et j'ai appliqué une toute autre méthode que ce que je faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'avant, j'étais isolée dans ma vie quotidienne et je m'isolais aussi professionnellement. Et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution, dans la mesure où quand on est isolé, les gens viennent pas forcément vers vous. Oui. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de changer de travail pour pouvoir prendre le pas contraire, c'est-à-dire que à l'instar des clowns qui mettent leur costume pour aller travailler, moi tous les matins je mets mon costume de clown. Pas de clown dans la mesure où je suis pas la personne qui est là pour faire rire tout le monde, mais dans la mesure où j'ai un costume qui montre pas la vraie personne, quoi. Donc c'est vrai qu'au quotidien, professionnellement, je suis toujours quelqu'un d'agréable, d'enjoué, d'avenant, d'à l'écoute, etc. Mais je mets ce costume tous les matins et exactement comme le clown qui est là pour distraire. Et moi je suis là pour montrer aux autres qu'il y a des gens qui peuvent avoir de la bonne humeur. Et c'est ce que j'ai, c'est ce que je montre au quotidien. C'est une bonne humeur permanente. Et si j'arrive à ce que quelqu'un en prenne un peu pour lui, je suis contente. Mais on se rend bien compte que les gens se posent pas la question si derrière cette bonne humeur, il n'y a pas quelque chose de lourd, ou si le cœur du clown n'est pas un gros cœur, ou un cœur triste. Voilà. Donc c'est une réflexion. J'ai pas trop de questions. Voilà, c'est une réflexion que j'avais, quoi. Vous vous sentez seule dans votre hobby. Vous sentez très seule. Tout à fait, oui. Et donc, je trouve que les gens, ils se sentent bien parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux. Donc, moi, je m'intéresse à toutes ces personnes qui m'entourent. Mais eux, ils ne se posent pas la question de savoir comment nous on est.
Et je me dis que ce costume que j'endosse tous les matins avec plaisir, parce que je vais quand même travailler avec grand plaisir. Vous aimez votre travail ? Oui, j'aime beaucoup mon travail. J'ai déjà la chance d'en avoir un. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un travail quel qu'il soit. Moi, j'en ai un, je l'aime, et je le dis, et voilà. Donc, je mets ce costume tous les matins qui est parfois lourd à porter, mais qui est aussi des fois lourd à enlever. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, franchement, à l'heure actuelle, là, tout de suite, je vous parle, je l'ai remis. Je l'ai remis. Donc, j'arrive plus à m'en défaire quand je ne suis plus seule, quoi. Et donc, maintenant, je me rends compte aussi que quand j'arrive à intéresser quelqu'un, ben, je m'y attache énormément, quoi. Parce que comme c'est rare... J'arrive même à presque les étouffer, que ce soit amitié ou plus. Hein, je m'attache, je les étouffe et ben, je les fais fuir, hein, c'est clair. Justement, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes si seule dans votre vie, vous personnelle, Mondine ? Ben, je pense que c'est un caractère et puis c'est une éducation, comme je disais au début, où il fallait pas déranger, il fallait pas aller chez les autres, on s'auto-satisfaisait dans ce cercle familial et on n'avait pas d'ouverture sur les autres. Et on n'a pas appris, je n'ai pas appris à m'ouvrir aux autres. Oui, à aller vers les autres, au point de ne pas songer à construire un couple, une famille. Ah, mais je suis déjà divorcée deux fois. D'accord. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a eu, vous avez vécu en couple et qu'il y a eu. Oui, tout à fait. Hein, donc, oui, tout à fait. Bon. Mais voilà. Actuellement, c'est ça, vous n'avez pas un homme à vos côtés, ça aussi, ça vous manque. Bah, à l'heure actuelle. J'en ai et j'en ai pas. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un que moi j'ai dans ma vie à laquelle je tiens, mais c'est quelqu'un qui est qui veut rester libre et qui trouve que je l'étouffe. Donc, qu'entend-il par rester libre ? Bah parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui a toujours vécu seul. Bon, il a dû certainement avoir des amis. Bon, ça fait pas énormément que je le connais. Donc, je ne connais absolument pas toute sa vie. Et qui a besoin d'avoir une liberté, ce que je respecte. Et moi, je suis quelqu'un qui étouffe. Et lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre. Bon, c'est récent, hein, ça n'a que quelques mois, donc... D'accord, ça n'a que quelques mois. Donc, voilà. Bon, peut-être qu'il faut lui laisser le temps aussi de faire évoluer. Voilà, hein, peut-être qu'au fond, vous avez conscience que vous n'avancez pas au même rythme, que vous, comme vous avez un grand vide, au fond, un grand manque, eh bien, c'est normal. Dès que vous sentez de la tendresse, de l'affection, vous êtes immensément en demande. Donc, que ça peut faire peur, ça peut être étouffant, alors que cet homme au fond vous lui plaisez, mais que du coup être trop en demande, ça peut le faire fuir. Donc sachant cela, comme ça ne fait que quelques mois que vous connaissez, il faut peut-être un peu freiner là, calmer le jeu, essayer de pour donner une chance justement à cette relation. Mais est-ce que vous avez eu des enfants dans vos précédents? Oui, j'ai eu un enfant. Oui. Oui. Ça se passe bien avec lui ? Ben, ça se passe. On est très fusionnels. Bon. Ça se passe très bien. Ben là, depuis quelques mois, il vient de monter son entreprise, donc il a plus trop de temps. Donc, je suis dans une période où je le laisse vivre son expérience professionnelle parce que, on fait pas laisser ses enfants que pour soi non plus. Donc, il faut qu'il se réalise lui aussi. Donc on se voit beaucoup moins en ce moment. On s'appelle pas trop non plus parce qu'il travaille énormément pour réussir son projet professionnel. On se retrouvera d'ici quelques temps, quoi, quand ça se sera un peu calmé. Mais
bon, ben, ça fait un petit vide de plus, quoi. Oui, mais en même temps, Mondine, il y a quand même... Bon, c'est peut-être une période un peu particulière, mais quand vous parlez de vie, il n'y a pas eu une vie... Moi, j'avais l'impression, je vais vous dire, hein, oui. Quand j'ai lu votre mail, j'ai vraiment eu l'impression, j'ai eu quand vous disiez ce clown comme ça, hein, ce clown triste... Que dans votre vie, alors c'est vrai que vous disiez que vous étiez divorcée deux fois, oui. Mais qu'aujourd'hui il y avait plus que le travail et que vous étiez, il y avait bon, j'ai eu le sentiment d'une immense solitude en vous lisant, mais quand même dans ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie. Alors certes, il y a eu des relations. Bon, qui se sont soldés par des divorces, mais je veux dire, il n'y a pas eu que votre famille où vous n'avez rien construit. Vous avez quand même eu deux mariages, de ces unions, vous avez eu un enfant. Aujourd'hui, bon, vous êtes dans une relation naissante où bon, c'est pas comme vous le voudriez parce que cet homme, il veut rester libre, mais vous savez, il faut y aller, l'apprivoiser peut-être en douceur. Vous oui, avez quand même un travail pas, qui vous pas plaît. En moi non plus. Oui, je pense que c'est ça. C'est clair, donc, il y a quand même beaucoup d'atouts derrière tout ça. Alors, qu'il y ait par moments des sentiments de grande solitude et de... Oui, mais c'est pas, tout n'est pas aussi sombre. Qu'il y paraissait. Alors, je vais vous lire des... Alors, il y a Eridan qui dit « Votre comportement ne dupe sûrement pas tout le monde. » Et ici, Jean Cocteau qui dit « Celui qui se masque se démasque. » Il y a Sergio qui dit « Le costume vous protège comme une carapace. » Et on le dit, hein, c'est cette métaphore animalière. Plus la carapace est épaisse et plus le fond, le cœur est fragile et tendre. Hein. On me dit ça, eh oui. Il y a quelqu'un qui dit, et pourquoi pas faire, c'est le subversif, véritablement du théâtre, et laisser votre costume dans les loges en sortant. Ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je suis en train de rechercher ça. Pourquoi pas? Après tout, là, vous endosseriez un costume, peut-être jouer un personnage et pouvoir exprimer vos émotions, faire partie d'une troupe, après tout, rencontrer des gens où vous pourriez communiquer, exprimer vos émotions en faisant partie, en comptant la chaleur de gens avec qui vous pourriez, sur scène, interpréter des personnages, mettre au service votre grande sensibilité, vos émotions, et puis après, partager avec eux des moments comme ça amicaux et chaleureux. Alors Prune, elle dit, quittez-le, ce personnage, et peut-être allez en parler à un psy pour vous en débarrasser et vous irez mieux. Bonne route à vous. Les psys, j'ai déjà vu. Vous avez déjà vu. Oui, c'est pour ça que je dis que je crois que je me connais. Vous connaissez bien. Mm-hmm. Oui, justement. Bon. La personne qui vous dit, que je ne dupe pas tout le monde, effectivement, parce que... C'est Eridan, oui. L'ami que j'ai à l'heure actuelle, il a tout à fait percé ça, alors que c'est quand même quelqu'un que j'ai rencontré dans le milieu du travail, donc il me connaît avec mon costume, hein, c'est clair. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, parce que je ne suis pas comme ça, donc on comprend oui. Pas. On comprend pas les gens qui ne sont pas forcément comme nous. C'est que dans mon travail, moi, je rends service parce que j'aime ça et que c'est ça qui me motive. Oui. Les gens, ils sont contents de me trouver quand ils ont besoin de moi, etc. Mais ils approfondissent pas après la recherche. J'ai l'impression que pour eux, je suis une personne sans histoire, mais sans histoire, oui. Pas avec un S, sans histoire, sans S. Oui, mais c'est pour ça, c'est là où, laissons tomber alors le côté de aller en parler à un psy, mais Prune a raison, quitter ce personnage trop encombrant. Et le mail de Mathilde arrive à point nommé qui dit « Finalement, Mondine ne donne-t-elle pas aux autres l'amour, l'écoute qu'elle voudrait qu'on lui donne ?» Et elle prendra peut-être conscience que donner ne débouche pas forcément sur recevoir, surtout quand on sait montrer ce qu'on attend. Il faut savoir aussi exiger pour soi-même, sinon... On donne à penser qu'on n'a besoin de rien. C'est tout à fait ça. Vous pouvez donner une image de vous et vous donner une image de vous qui n'est pas la bonne. Vous donnez l'image de vous, de quelqu'un, effectivement sans histoire. Oui, puisque moi, forte, je ne parle jamais de moi. Et... Forte.
oui. qui peut tout un dossier endurer tout, voilà, sur lequel toujours le sourire, toujours. Alors attendez, il y a de la délicatesse. Non, il y a hein, finalement, je peux entendre, j'ai toujours le sourire, tout va bien. Oui, mais Mondine, le problème c'est que tout ne va pas bien. Alors il s'agit pas d'arriver effectivement surtout au travail la mine défaite et bon, on est dans le cadre du travail et dans le cadre du travail c'est pas simple, mais dans le cadre du travail il y a certainement des personnes avec qui vous pouvez avoir des liens plus amicaux, plus personnels. Je dis pas avec toutes les personnes parce que dans le cadre du travail on peut pas tout se permettre, c'est aussi surtout vous démarrez un nouveau travail hein. Donc bon, dans le cadre du travail on est bien obligé de revêtir une certaine carapace. Mais il y a des personnes avec qui vous pouvez avoir des relations plus personnelles et avec qui vous pouvez Et là, j'arrive pas. Eh ben oui, mais ça prend. Autant le costume, j'y arrive. Autant des relations spontanées, dès que je suis moi-même, je me referme. Mais ça, c'est votre éducation qui reprend le dessus, où vous dites, faut pas déranger. Mais vous ne dérangez pas, parce que c'est aussi là où vous pouvez, à force de pas vouloir déranger, vous ne partagez pas. C'est-à-dire, vous êtes dans quelque chose à relation unique, où effectivement les autres vont, vous êtes dans la grande oreille qui écoute, mais finalement il n'y a pas de partage et il n'y a pas d'échange. Et on peut se dire, Mondine, de toute façon, elle a rien à dire, il n'y a rien, enfin bon. Et puis qu'est-ce qu'elle est forte? Mais quelqu'un qui est trop fort en paraît invulnérable. Mais je pense que j'ai donné cette image-là. Oui, mais une image, ça se change, hein. Et comme dit Prune, réconciliez-vous avec vous-même et j'ajouterai avec, au fond, ce que vous êtes. On n'est pas qu'une image, on a plusieurs images avec ce que vous êtes afin de restaurer votre image. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il y aurait des choses encore à approfondir, Mondine. Et comme dans mon ancien travail, je m'étais pas mis ce costume et que je le vivais très mal parce que c'était de la tristesse et à la maison et au travail. Voilà, j'étais repartie sur une autre façon de voir les choses. Et oui. Je sais pas si je saurais faire l'ampleur. Mais je pense que vous pourrez, mais comme dit Brigitte, il faut oser vous dévoiler un peu, vous avez le droit de demander et vous rencontrerez forcément des gens heureux de partager avec vous. C'est aussi comme ça hein, qu'on a des rencontres humaines et des échanges. C'est le plus important là. Il faut, oui, oser un peu. Oui, tout à fait. Mais vous commencez à petits pas, Mondine. D'accord. Non, moi, je sais pas faire entre deux. Je sais. ça s'apprend aussi. Ou pas assez. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Très bonne chose. Le théâtre va vous aider. Oui. Bonne chance, Mondine. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et merci à tout le monde. 39, 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Aude. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, je vais éteindre mon poste. Oui, ça serait mieux. Alors, Aude, donc vous vouliez me parler de votre mère et de relations avec familiales. Votre fils. Hein voilà. De relations familiales au sens large. Fratrie, j'ai deux sœurs et puis et les alors, et on les va essayer neveux. De centrer assez rapidement parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, alors, de se recentrer. Ma question, c'est de savoir si ma maman a des attitudes manipulatrices, à savoir que mon fils est fils à 5 ans et elle a invité elle m'a demandé si elle pouvait l'inviter à des vacances en février devant lui. Donc évidemment, lui, il est ravi. Oui. Et elle sait, parce que c'est un problème qui dure depuis déjà au moins 2 ans et qu'on en a déjà parlé, que je ne peux pas la laisser partir avec lui et avec les gens de ma famille qui me traitent comme une quotité négligeable, m'insultent. Et je ne peux pas laisser partir mon fils tout seul. Cette année, je ne peux pas aller avec lui, donc je ne peux pas le... Et du coup, je me retrouve dans la situation où je dois expliquer mon choix de parent à mon fils de 5 ans. Et ma mère l'a fait sciemment. Donc, je crois que j'ai déjà la réponse à ma question par rapport à la manipulation, mais je voudrais avoir confirmation de ça. Est-ce que c'est normal qu'elle n'attende pas un moment d'adulte pour faire ce genre de proposition? Non, mais c'est-à-dire que vous êtes en conflit avec votre mère. Avec vos sœurs, c'est ça? Avec mes neveux principalement, et donc avec les parents, donc ma sœur et mon beau-frère, ouais.
Parce mais que qui disent du mal, qui disent du mal de vous devant ah ben votre qui... fils. Qui disent qu'est-ce du que mal vous de redoutez moi au fond? Parce que ben, ce que je redoute de toute façon, c'est de laisser mon fils. Je suis mère célibataire, oui. De laisser mon fils avec des enfants qui sont très mal élevés et pas du tout cadrés. Ils ont quel âge vos neveux? Ils ont entre 10 et 6 ans. Donc je suis, enfin ils m'insultent, hein, il n'y a pas de, d'autre mot. Mais vous, vous ne seriez pas là, hein, c'est ça, non, pendant ces non, vacances? Non, d'accord. Donc, parce que vous n'êtes pas invité? Non, c'est pas ça, c'est que l'année dernière, enfin les deux années, hein, l'année dernière et cette année, je suis invitée, mais cette année je ne peux pas vous, y aller. Vous ne voulez pas y aller en tout cas, c'est ça, vous n'avez pas envie? L'année dernière, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, mais j'appréhendais énormément. Donc non, c'est mais vrai que... moi, ce que je veux vous dire, Aude, c'est que vous, vous avez le droit, si vous, vous ne tenez pas manipulatrice ou pas, vous, vous avez le droit de dire, bon, je ne souhaite pas que mon fils aille au ski avec, avec toi. Maintenant, votre mère peut être effroyable avec vous et par ailleurs, être une très bonne grand-mère. Vous voyez, parfois, il peut y, on peut faire la part des choses. Vous pouvez avoir oui. beaucoup de raisons, d'avoir beaucoup de ressentiments à l'égard de votre mère et à l'égard de votre sœur ou de vos sœurs. Hein. Et en même temps, avec votre fils, elle peut être une grand-mère aimante et prévenante et attentionnée. Ça, je suis d'accord. Par contre, quand je récupère mon fils de tous les séjours qui passent en famille, je mets 6 mois à récupérer un comportement normal. C'est-à-dire ? Eh ben, c'est-à-dire que à 5 ans, les « je m'en fous »,« de toute façon, t'es une sale conne », c'est des choses que j'entends, qui copient en fait. Et du coup, pour retrouver des comportements normaux et socialement acceptables, c'est un travail de longue haleine, d'éducation de longue haleine, pour remettre tout ça en place. C'est-à-dire que si mes neveux n'étaient pas mes neveux, mais des amis, ils seraient persona non grata chez moi. Et parce que je veux pas que mon fils côtoie ce genre de comportement. Alors vous allez me dire, à l'école, il le fait. Oui. Mais c'est dans un cadre bien particulier. Là, le fait que ça se passe... Mais derrière tout ça, vous en voulez aussi beaucoup à vos sœurs? Ben... Certainement. À mon beau-frère, oui, c'est parce sûr. Que, et à votre beau-frère, ouais, voilà. Parce que, ouais. Bon, vos neveux, bien sûr que... Alors, vos neveux parlent mal, c'est une chose, mais vos neveux sont des enfants. Ça n'excuse pas tout. Mais derrière tout ça, c'est... Avant tout, les parents qui sont responsables de l'éducation ou justement des limites qu'ils ne posent pas dans l'éducation. Vous voyez, mais on sent derrière tout ça, et je suis désolée, je vous bouscule un peu, mais parce qu'on doit arriver bon, à la fin de l'émission. Et, mais derrière tout ça, on sent qu'il y a beaucoup de différends familiaux et de, entre votre beau-frère et votre sœur. Bon, alors, vous êtes la mère de ce petit garçon, et après tout, si vous devez, si vous devez rétablir pendant des mois une situation et que ça devient c'est difficile à gérer pour vous, c'est différent. En même temps, il n'y a pas de comment dire, vous n'êtes pas vous, on ne tient pas de propos insultants, désobligeants sur vous en sa présence. Si je suis absente? Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas là. D'accord, c'est plus dans l'éducation, c'est plus un laisser-aller dans l'éducation que vous contestez. Oui, et puis moi je me dis que si des enfants n'ont pas le respect, entre guillemets, qu'ils me doivent, c'est plus subtil que ça évidemment, mais alors que je suis là, qu'est-ce qui se passe quand mon fils est tout seul, quoi? Oui, alors ça mériterait plus de développement, Aude. Hein. Ouais. Moi je pense qu'il faudrait qu'on en reparle. Un autre soir, parce que derrière ces questions d'enfants, je sens surtout des questions d'adultes et des différends d'adultes. Donc, bon, là, il faut qu'on se quitte parce que dois passer de la musique avant, on doit passer de disques par heure et donc on peut pas développer. Puis de toute façon, il nous reste 3 minutes. Rappelez-moi un soir qu'on en parle plus parce que je sens surtout des différends entre adultes. Oui. Derrière ces problèmes d'enfants. Oui. D'accord. Bien sûr. Donc je vous dis à bientôt. Merci Caroline, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. Je vous embrasse, faites de jolis rêves.